Je vais passer quelques jours à Playa del Carmen, sans doute la plus réputée des stations balnéaires de la Riviera Maya après Cancun. Notre aventure commence sur les plages au nord de Playa del Carmen. La plage de la Punta Esmeralda est sans doute l'une des plus réputées avec son mini-lagon. Heureusement, car ici, comme sur une grande partie de la côte, les plages sont régulièrement envahies par les sargasses et l'accès à l'eau y est pénible ou même impossible. À quelques pas de la plage, on peut emprunter, à pied ou à vélo, l'extrémité nord de la célèbre Quinta Avenida, la rue principale de Playa del Carmen. À ce niveau, la balade sera ponctuée de nombreux graffitis et fresques murales impressionnantes. À l'approche du cœur de la station, l'avenue s'anime, puis elle regorge progressivement de boutiques, de restaurants et de bars branchés. Et plus on avance dans la journée, plus l'ambiance est festive. N'ayant pas pu utiliser les caméras HD, je vous propose un aperçu des soirées de Playa del Carmen, filmé avec mon téléphone. On ne peut pas dire que ce soit le genre d'endroit que j'apprécie beaucoup, mais dans une autre vidéo, je vous montrerai l'île de Cozumel qui est à portée de ferry et je vous amènerai même plonger sur la deuxième plus grande barrière de corail au monde qui est juste ici. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires.